Bonjour à tous. C'est Amaury et Saba. Notre spécialité, les souvenirs historiques de la haute époque à la Première Guerre mondiale. Principalement les coiffures. Nous allons vous faire découvrir de nombreux objets au fil de nos vidéos, afin de faire partager la richesse de notre patrimoine historique au plus grand nombre de manière ludique. Je vous présente aujourd'hui une cuirasse de carabinier du Second Empire. La cuirasse est en acier recouverte d'une feuille de laiton. La dossière et le plastron portent les mêmes numéros et la même taille. Au centre, un insigne en acier en forme de soleil rayonnant sur lequel est rapporté un aigle impérial en laiton estampé, entouré de deux feuilles de laurier. Deux bretelles en cuir avec double chaînette en laiton et ceinture d'assemblage en bas. Les carabiniers sont composés de deux régiments de 1825 à 1865. Ils campent sur les Champs-Élysées et patrouillent sur les grands boulevards pour dissuader tout débordement. En 1865, les deux régiments furent réunis en un seul pour former le régiment de carabiniers de la garde impériale et fut basé à Melun. En 1870, le régiment entre en guerre et subit le siège de Metz et la capitulation. Il fut dissous en 1871. Les hommes sont incorporés dans les régiments de cuirassiers. J'espère que ce voyage dans le temps vous aura plu. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez voir toutes les autres en vous abonnant à notre chaîne YouTube d'Amaury Historien. Merci.